Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo 3615 Malaf, car effectivement c'est une vidéo live. Je vous aurais présenté des nouveaux sets, mais ce n'est pas le cas, je n'ai pas de nouveaux contenus, je l'ai même moins qu'avant pour tout vous dire. Donc je voulais parler en fait du problème que je n'ai pas été vraiment très présent sur ma chaîne depuis une, deux, trois semaines, voilà, voire ça. Et ça effectivement c'est Shadow qui a pris la relève de la chaîne, hein, bien malgré lui, et donc je le remercie et j'ai même peut-être un peu honte qu'il ait fait tout bro, donc c'est vrai qu'il a eu la chance de trouver les Marvel, enfin oui, les Marvel Ultra Build et tout, donc ça a fait quand même quelques vidéos sur la chaîne, et c'est aussi des vidéos, je pense, même presque en exclu mondial intégral de la life, donc c'était quand même plutôt cool, voilà, hein, qu'on ait au moins cet exclu-là, voilà, donc je vous rappelle, ils avaient trouvé un Disney Store, mais normalement les figurines Ultra Build sortiront vers mai, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, donc c'est pourquoi j'étais pas là, parce que j'ai eu deux facteurs qui sont entrés en compte. D'abord, avant avril, fin mars, j'allais pas spécialement bien personnellement, voilà. Et le second facteur, en fait, c'est que j'allais peut-être déménager. Seul problème, on ne savait pas quand. On avait la date du 12 avril, mais on n'était pas spécialement sûr, donc avec ma famille, voilà, du fait de différents problèmes, car bon, quand on n'a pas les moyens, la vie est loin d'être facile, en fait, hein, même plutôt pas très très agréable. Donc on ne savait pas si c'était le 12, donc en clair début avril, ma mère commençait un peu à me dire oui, tes cartons, faut les faire et tout, je suis sûr que ça va prendre du temps. Bon, moi personnellement, je n'étais pas spécialement inquiet parce que je savais de quoi j'étais capable et je savais que tout mettre dans des cartons n'était pas spécialement long, voilà. Donc comme elle me disait ça et comme d'un autre côté je faisais rien vu que j'étais dans mon coin à déprimer, je me suis dit bon, je vais faire les cartons, ce sera fait. Et donc en 3 jours, oui, j'avais raison, c'était fait, quoi. La grosse sortie était faite, les posters étaient enlevés. D'ailleurs, vous pouvez les voir là, il n'y a plus de posters dans mon super mur poster. Là, il n'y a plus de rien dans les étagères, comme vous pouvez le voir. Bon. De base, j'aurais voulu faire la vidéo avec un appareil photo pour bien vous montrer le truc, mais au final, j'aurais été limité à 15 minutes de vidéo et en plus, ça aurait fait 600 mo, donc non merci. Donc j'ai fait les cartons, voilà, et donc après, il fallait quand même attendre, il y avait quand même le stress, est-ce qu'on parle 12 ou pas, parce que voilà, etc. Et donc ça fait déjà que les cartons, vu que la plupart des sets étant les cartons, je ne peux pas les utiliser pour faire des roses. Donc c'est un point déterminant. C'est que donc j'avais plus accès au modèle, quoi. Et donc lorsqu'on est arrivé le 12, on a peu d'informations. Et donc tout ça pour en venir qu'au final, l'information est le plus tard. Donc si vous voulez tout savoir, moi je déménage le 2 mai. J'emménage le 2 mai dans une nouvelle maison, voilà. Et donc ça fait que maintenant je sais que j'ai. On pourrait se dire, voilà, j'ai au moins toute la fin d'avril pour faire des vidéos. Mais comme j'ai dit, seul premier problème déjà, j'ai plus accès au set. Et d'ailleurs, avant, il faut noter que tous les cartons étaient dans ma chambre et ils étaient encore un peu ouverts. Donc je pouvais prendre un set au pire comme ça si je voulais un peu fouiner. Seul problème maintenant, vu qu'on connaît la date du 2 mai, il a fallu descendre les cartons en bas pour les préparer avant l'emménagement, donc qui aura lieu en début de mois prochain. Donc ça fait que là, je n'ai plus de cartons dans ma chambre. Ils sont tous empaquetés, scotchés, etc. Et donc, je ne peux plus rien faire à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le seul problème, en fait, le déménagement des nouvelles reviews. C'est que, aussi, globalement, je n'ai plus vraiment de nouveaux contenus, en fait. C'est vrai que j'ai fait souvent des bilans du futur de la chaîne à différents moments de mes reviews en disant, bon là, j'ai fini les Bionic, maintenant il me reste à faire Exo-Force, par exemple. Après, je disais, ouais, Exo-Force est fini, il me reste à faire Dragons, etc. Là, en fait, j'ai plus rien à la reviewer, en fait. Et tout bêtement, effectivement, je vais revenir à un point que j'avais déjà énoncé par le passé, c'est que oui, je peux encore faire des reviews, mais il y a deux facteurs qui entrent en compte, c'est l'argent et le temps. Donc oui, je peux faire de nouvelles reviews si j'achète des nouvelles choses, donc ça peut être des nouveaux sets par exemple, voilà, ou même d'acheter des choses pour des vieux sets, par exemple des vieux sets bioniques que j'ai pas encore reviewés, ou par exemple, un cas bien précis, vous vous souvenez peut-être de la gamme des Roboriders, donc cette gamme sortie en 2000, 2001, par 99, 99, 2000, 2001, par Lego, donc une thème Lego technique avec... Un thème Lego technique avec des motos, et donc j'avais fait toutes les revues des motos, des sets de base, et je vous ai dit, il existe des combos, seul problème, les combos utilisent le haut du canister, donc des conteneurs des Roboriders, pour les roues, et moi, comme j'ai acheté les sets d'occasion, je n'ai pas ces roues-là, voilà, donc en clair, par exemple, si je me dis je veux faire les combos, il faut que j'achète les roues sur BrickLink. Après aussi, il y a quand même un problème pour acheter des choses, c'est que comme je ne savais pas quand je déménageais, je ne savais pas si j'aurais le temps de recevoir le colis en temps et en heure, hein, aussi. Et d'ailleurs, ça me fait venir directement à la vidéo que j'ai faite où je vous demandais de me proposer des sets. Donc, je suis content que j'en ai participé. Après, il y en a 5 qui ont pris un peu cher. Et c'est vrai qu'en soi,
Ça fait quand même toujours un peu mal de se dire, je vais payer 20 euros pour un set au final que je ne veux pas spécialement. Voilà. Donc ça qui est aussi ça. Mais néanmoins, j'ai quand même pris compte de ce que vous voulez. Et donc, bah, quand je vais emménager, là, quand je serai bien posé, etc., quand j'aurai plus souci de délai pour la poste, eh bien, j'essaierai de voir ce que je peux acheter comme set que vous m'avez proposé. Hein, voilà. Ça, j'y tiens quand même et tout, donc même si ça, effectivement, là j'étais un peu déprimé, puis les problèmes d'argent, puis les problèmes de déménagement, l'idée quand même tient toujours, et donc je verrai ce que je peux faire le mois prochain en mai. Donc n'hésitez pas, hein, j'ai plus dans la vidéo, je crois que c'était une live, ou une annonce, enfin vous tapez achat, je pense, dans la recherche de la vidéo, et vous devrez trouver la vidéo, donc dans les commentaires, bah, si vous voulez me proposer un set que moi j'achète et que je review, bah à vous de, allez-y. Alors l'offre tient toujours. Et donc oui, je tiens dessus, regarde la vidéo, parce que comme ça vous aurez bien les précisions par rapport à, bah, à cette idée-là. Donc on a soit l'idée donc de l'argent, donc acheter des nouveaux sets, acheter des vieux sets, acheter des parties pour compléter des sets. Et après il y a aussi le temps. Donc ça effectivement, en ce moment, enfin depuis quelques temps, j'essaie de mettre sur un autre projet qui n'est pas des jeux de construction, qui me prend du temps et j'ai un peu de mal avec. J'ai un peu de mal tout court, voilà, avec ça. Mais donc ça fait que voilà, j'ai pas spécialement des fois le temps pour ces nouveaux projets de review qui prennent du temps. Je pense que j'ai déjà dit tant cette fois comme ça. Et par exemple, bah, un exemple tout bête. L'exemple typique du truc qui ne coûte pas d'argent mais qui prend du temps. Faire des mocs. Je veux dire, faire des mocs au final, c'est une des comme l'autre pour au final bah, avoir une chaîne qui dure, on va dire, une infinité de temps. Parce qu'au final, tant que je fais des mocs, je peux faire des vidéos. Et tant que je fais des vidéos, bah, j'entretiens l'activité sur la chaîne. Ça me semble logique. Seul problème, c'est pas aussi simple que ça. Donc on part du. Donc là, on entre dans les explications. Oui, mais. Ça, c'est très chiant. Donc je vous explique. C'est-à-dire qu'on part étape 1. On se dit, bon, faut faire un mock, donc faut alimenter la chaîne. Oui, mais comment faire? Je vais faire des mocks. Okay. Oui, mais comment faire des mocks? Il faut prendre des pièces. Oui, mais les pièces, elles sont déjà utilisées sur les mocks. D'accord? Donc il faut démonter les vieux mocks pour prendre les pièces pour faire les nouveaux mocks. Ça me semble plutôt logique. Oui, mais les vieux mocks ne sont pas pris en photo. Et pour les démonter, bah, il faut que je fasse les photos des instructions. Ok, voilà. Mais avant de enfin, les démonter et de prendre les photos d'instructions, il faut que je les poste sur le forum. Oui, mais pour les poster sur le forum, il faut que je fasse les photos normales du mock. D'accord? Oui, mais pour faire les photos, il faut qu'il fasse beau, il faut que je sois motivé, et blablabla. Et donc, ça fait que là, vous avez l'exemple typique du oui, mais en fait, donc où on part d'un point et au final on rajoute plein de trucs à faire pour arriver à ce point, et donc ça fait que ça c'est déprimant au final. S'il n'y a pas la motivation, c'est sûr que ça n'avancera pas. Et quand vous savez que j'ai à peu près environ mes 30 mocs de matériel, il faut toujours que je prenne en photo, voilà quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, donc ça c'est l'exemple typique du oui, mais, et donc ça c'est aussi pour d'autres projets. Par exemple, j'ai deux nouveaux projets de vidéos pour le. La chaîne, il y en a un qui va prendre du temps et du travail, voilà, et l'autre, il prendra moins de temps, en fait, ça sera même beaucoup plus cool, mais lui, je pense juste qu'il plaira à personne, en fait, parce que c'est bien sur une gamme de jouets, c'est pas de jouets de construction, c'est une gamme que moi j'aime bien, mais après, je pense que comme pour Dragon's Universe, je serai un peu le seul à l'aimer, donc je suis pas sûr que les vidéos seront très populaires, après ça, je m'en fiche, hein. Ce qui compte, c'est avant tout, c'est quand même de se faire plaisir à soi, des fois, et donc voilà, ça me ferait quand même assez plaisir de les faire, mais après, voilà, ce serait pas du niveau du. De popularité des Transformers de Shadow. Donc ça fait bah, que tout ça, donc ça que je parle depuis 15 plombes, mais tout ça pour en venir au fait que oui, aussi plus que le déménagement, plus que la dépression, plus que blablabla, ce qui manque, bah, c'est du nouveau contenu, tout bêtement. Et ouais, donc ce nouveau contenu, bah, soit il prend de l'argent, soit il prend du temps à faire. Et donc c'est vrai que bah, des fois j'ai ni l'un ni l'autre, ou ni l'envie au fait aussi de faire l'un ou l'autre. C'est pas spécialement bien de mon côté, il faudra que je me bouge, mais voilà. Donc je tenais à préciser ce point-là pour vous dire où j'en étais. Mais après, tout ce qu'il faut vous dire, en final, tout ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que bah, dès que j'aurai emménagé dans une nouvelle maison, je reprendrai les revues. Ouais, tout bêtement. Je pense que c'est ce seul point à retenir, franchement. Je veux dire, je préfère rien promettre pour les 2 semaines à venir, parce que comme je dis, j'ai plus aucun contenu à disposition, vu que j'ai tout en de carton. Donc à mon marché des 7 en ce moment, bah voilà. Donc bon. Mais normalement, en mai, il y aura des nouvelles choses et je pense que j'aurai le temps un peu de réfléchir à ça et de m'organiser, d'essayer de tout faire. Mais c'est, voilà, à chaque fois, je vais tout faire en même temps et je me rends compte qu'à chaque fois, je finis par ne rien faire du tout. Donc, c'est pas spécialement la voie à suivre. Donc, bah, je pense avant tout pour la vidéo.
Donc voilà, je sais pas trop ce que fera Shadow, parce que bon, j'ai pas trop envie de lui coller un point en plus, hein. Il fait ce qu'il veut, de toute façon, quand il veut. Shadow, c'est un peu l'idée de ses vidéos. Donc je sais qu'il va reprendre le boulot la semaine prochaine, donc peut-être qu'il fera quelques reviews cette semaine-là, mais je sais pas. En tout cas, je vous promets rien. Par contre, moi, ce que je peux vous promettre de mon côté, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de vraies reviews prévues, mais là, j'ai vu qu'en fait, je pouvais faire deux petites vidéos, qui sont vraiment des vidéos hors sujet. Mais bon, qui sait, peut-être que vous apprécierez. En tout cas, je les ferai, j'essaierai de les poster dans la semaine, après donc cette vidéo live. Annonce, ce que vous voulez. Voilà. Donc bah, je pense que c'est tout pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui ont suivi. Hein, maintenant vous connaissez la situation. Et puis bah, non, on se trouve donc bah, je pense en mai pour des nouvelles séries de review. Hein. Là, vraiment vraiment des séries, quoi, pas mais juste des vidéos comme ça à part. Et sinon, bon, on se retrouve plus tard la semaine, je pense. Je vous espérais pour des vidéos un peu spécifiques. Voilà. Donc, bah, je pense que c'est tout. Sur les commentaires ou les questions, si vous n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds avec plaisir. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Voilà. Et puis, bah, surtout, passez une bonne journée. Il fait beau, franchement, ouais. Une bonne journée. Une bonne après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus.